c'est la 9e édition du Festival des Puces. Année après année, il y a de plus en plus de monde. Ouais, ben oui, il y a de plus en plus de musiciens, ça fait plaisir. C'est vraiment un esprit manouche, quoi. Moi, j'y trouve, c'est magnifique. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai découvert l'endroit et c'est vraiment génial ici. On se laisse un peu entrer dans l'inconnu et c'est le plaisir de la musique et de partager. Mais c'est ça la musique, et c'est aussi donner, voilà, se faire plaisir et donner du plaisir. Donc, tout à fait. On est heureux. On est super heureux. On est content. Bienvenue au Festival des Puces. Have a good time, meet lots of people and enjoy yourself. Le Thénardier, attention, parce que là par exemple, après cette interview, je vais aller faire la tournée des bars, c'est-à-dire il y a un accident. J'ai vu une petite roue, il y avait plein de monde et plein de bars là. Donc cette année, nous avons fait que 3 bars. Commence pas à me mettre ta perche déjà, dans les mains. Il est déjà quelle heure ? 17h10. Notre objectif cette année, c'est de trouver... Chez nous, ça se passe à l'intérieur, s'il vous plaît. Venez, la star, allez avec moi. Venez comme elle. Je veux dire qu'à chaque fois, pour moi, c'est un plaisir. Et hier soir, je me suis dit, ah, demain, c'est les Puces, c'est sympa. Je vais faire la tournée des bars. Et en fait, je m'aperçois qu'en tant qu'artiste, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir avoir un contact avec les gens, avec le public. Et on essaye de faire en sorte que ce soit un rassemblement et une fête, et du coup de partager ce moment de fête avec tout le monde, avec les gens, les passants, les gens qui passent dans la rue, on leur dit « Hey, venez !» Oh oui, c'est bon, vas-y, lâche-toi ! Ce marché, il est basé sur le vernissage. C'est une France en miniature, ce marché. Donc, effectivement, toute la tendance de faire ce marché. Donc, on a voulu rester dans... On s'est borné, si vous voulez, à porter plus longtemps ce qui existe. Dis-moi, bruyant, qu'est-ce que tu chantes? On se rassemble tous, on se croise entre artistes, Hey, salut, hey, t'es là, hey, tu vas bien, ah, viens. Et puis du coup, ça crée des moments d'improvisation. Mon père était le batteur de Django Reinhardt, donc je ne suis pas étranger non plus ni à la musique de Django, ni à l'univers gitan. Il y a même un cirque Boer, vous savez. C'est vrai que cette diversité musicale, elle enrichit toutes les tendances. C'est aussi pour ça qu'on a élargi l'éventail, pour que les gens puissent accéder à cette musique instrumentale et à ce jazz. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une espèce d'ingérence culturelle aussi dans notre façon de faire. Mais la gratuité déjà, elle permet à les gens de venir justement écouter des chanteurs de variété de qualité et en même temps tomber sur des artistes de renommée internationale. C'est la musique qui est fédératrice, c'est même pas un seul style, c'est tous les styles. Et les gens de la musique ne sont pas différents des autres, sinon qu'ils ont cette espèce de vitamine supplémentaire.
the black eye down at I need you. Why don't you come around? I want you. Come on, go down. There's a black eye down. I need you. I say yeah. Why don't you come around? I want you. Maternelle jusqu'à l'âge de 18 ans, je fais plus de dessins que de musique et j'écoutais toujours du jazz. Moi j'adore de voir des jeunes qui continuent avec ce style de musique. Vraiment envie de continuer encore plus avec cette musique. Pour la première fois, on a des ex-échos, voilà. C'est donc Tom et Noé qui ont reçu le prix cette année. Gamin, vous êtes en train de faire le plus beau métier du monde, ma chérie. Le prix d'encouragement et le prix du plus jeune est remis à Lawson. Lawson. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est cette famille. Cette famille qui a, voilà, qui a présenté un groupe. Je trouve que ça, c'est... La musique, elle est faite pour ça, quoi. La musique, elle est faite pour être partagée. Et moi, je sais que dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Mon père musicien, mon frère musicien, ma mère, bon, on essayait d'en faire un peu. Mais on faisait toujours de la musique ensemble. Et je crois qu'on ne peut pas vivre bien la musique si on la partage pas. Prix spécial pour les Three Bros. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très spécial de jouer à chaque fois avec un public nouveau. Des styles et des genres.
secret, Serge, et à toute l'équipe, non, pour réunir ici et pour ce festival autant de talents, autant de personnalités, parce que vraiment, on a la crème de la crème. Au lieu d'aller tout de suite dans l'élitisme et dans les formes de culture élitiste, il faut que ça repose sur les formes populaires, parce que tout le monde a le droit à l'accès aux formes élitistes. Et on ne pourra les avoir qu'avec l'accès aux formes populaires. Mais j'ai pas dit populiste. Non, non, populaire. Ne serait pas ce qu'il est. On entend dans des salles de spectacle et puis on entend dans des grands concerts aussi. Parce que Stas Badouche, il y a de très grands musiciens aussi. D'ailleurs, on a eu un des plus grands musiciens du monde, quand même John Norena.
Thank you.